Bon matin. Bon matin. Bon mars, jour. Je pense qu'on est rendu à jour 12. Je suis pas certaine. Ça roule, ça va, je suis contente. On a avancé l'heure cette nuit, fait qu'il est 7h. Il a neigé. Il a neigé ce matin, je monte ça. Fait que j'ai la petite neige au sol qui ne restera probablement pas parce qu'elle annonce genre 12 cette semaine. Fait que j'ai une autre belle journée de travail de prévu aujourd'hui. Je risque de prendre ça très, très relax ce soir. Je vais me coucher tôt parce que demain matin, je veux me lever tôt. Excusez-moi, mon Dieu. Puis avec le changement d'heure, c'est un petit peu moins évident. Fait que j'allais porter des trucs aussi pour mes enfants ce soir parce que j'avais des livres d'école puis tout ça. Fait que je vais aller porter ça. Je vais aller passer peut-être un petit moment là, ce soir avec les kiddos chez mon ex. Puis voilà. Bonne journée. La lumière, c'est vraiment bonne. Je viens de finir de travailler. On est en fin d'après-midi. J'ai fait une sieste mon heure de dîner sur mon divan. Mon fauteuil que vous avez vu, là, mon petit fauteuil golden. J'ai fait une sieste genre de 45 minutes sur mon divan ce midi. Je suis une nouvelle femme. On dirait que c'est comme mon heure de sommeil que j'ai manqué de cette nuit. En tout cas, bref. Là, on dirait que je veux clencher des trucs. Je me suis fait une petite liste. Lavage. Un peu de ménage. Je veux faire le ménage de mon frigidaire et faire le ménage de mon congélateur ainsi que de mon garde-manger. Après ça, suite à tout ça, je vais faire ma liste d'épicerie. Puis je vais commander mon épicerie sur Uber Eats because lazy I am. C'est sûr que ce soir, je me couche tôt, je prends un bain là, comme je vous expliquais tantôt. Des maudites bébites de merde. J'ai des bébites dans mon appartement qui... J'ai un problème de... Comment ça s'appelle donc? Des punaises de céréales. Pas de céréales. Des punaises d'érable. C'est comme des... Je vais vous montrer. Okay, c'est un peu dégueulasse. Là, mais je t'écœure et tu maudites bébites là. Ça ressemble à ça ici. C'est genre des bébites avec le dos. Là, la couleur ne rend pas. Là, mais c'est avec le dos rouge. Genre... C'est pas dangereux, là, ces bébites-là. Ça pique pas. Ça... C'est juste que... C'est là, pis c'est bien difficile à comme. Tu sais, l'été, on en a plein sur notre façade extérieure, là. Dans le fond, c'est des pilules. Des bébites qui sont comme à l'extérieur, pis ça rentre en dedans. Pis c'est gossant, là. On est en plein hiver, pis il y en a. Fait que. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu un problème avec ces maudites punaises d'érable, là. Mais c'est vraiment tannant. C'est vraiment tannant. Mais, tu sais. À part être tannant, je veux dire, ça pique pas comme, mettons, des punaises de lit qui piquent les humains, là. Ça par rapport. C'est pas ça tout. C'est juste comme gossant d'avoir ça en dedans, mettons. Bon, fait que mon ménage avance. Je laverai pas mon frigidaire parce que ça me tente pas, là, mais en tout cas, j'ai jeté tout ce qui était plus bon. Fait que, il va falloir que je mange du feta, la gang! Fait que, ça ressemble pas mal à ça, dans le frigidaire. Le congélateur, il reste pas grand-chose, honnêtement, là. C'est quoi ça? Des jarrets pour ragoût. Tu sais, je marque même la page du livre de recettes. Parce que j'ai fait un ragoût l'année passée, puis il y avait plus de jarrets. Bref, ma petite sauce à spaghetti, puis tout ça. Fait que, ça, je sais même pas si c'est des pâtés ou des tartes au sucre. Bref, hey, j'avais fait des croutons maison. Je suis une vraie femme de maison, moi, pareil. Fait que là, j'étais un peu découragée. Mais là, écoutez, le ménage est fait, là. Ça débordait de partout. J'ai du stock, là. Moi, je trouve que j'ai du stock. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça, c'est tiroir à collation. Ben, tu sais, je veux dire, comme les collations des enfants. Ici, c'est tout genre les sacs Ziploc, les patentes de même, puis tout ça. En haut, c'est la cochonnerie, je vous dirais. Ici, c'est plus comme, mettons, pâtisserie. Mais tu sais, je veux dire... Pas tant que ça, tu comprends? Ici, j'ai le canage, les pâtes. Puis, tu sais, je veux comme checker pour partir à partir de ça pour faire des recettes puis me racheter juste ce qui manque. Parce que, tu sais, on dirait que,
sais, moi, je veux tout avoir, hein. Je veux avoir du couscous si j'ai le goût de faire du couscous. Je veux avoir du quinoa si j'ai le goût de faire du quinoa. Je veux avoir. Ben là, c'est sûr que moi, nous autres, on est des. Moi et Laurent, on est des fans d'huîtres, là. Fait qu'il faut toujours que j'aille des huîtres fumées. Faut toujours que j'aille du thon. Mais du thon, c'est un dépanneur. Mais tu sais, regarde. Ici, là, j'ai une espèce de gros sac de pois jaunes que je m'étais dit, moi, je veux être quelqu'un qui fait une soupe au pois dans la vie, genre. La soupe aux pois jaunes, là, j'aime tellement ça, là. Puis j'aimerais être capable d'en faire. J'ai une liste de recettes que je veux maîtriser avant de mourir. J'ai une liste de ça qui est sur mon frigidaire, d'ailleurs. Je pourrais vous montrer. Ça a l'air de moi. OK. Fait que ça, c'est la liste des recettes. En tout cas, les recettes que je voudrais maîtriser. Fait que j'en faire un bon ragoût de pâte. J'ai réussi le 28 août 2023. Je suis quête une bonne recette de croton. Je vais être capable de faire une tourtière, une soupe au pois. Regardez, soupe au pois, j'ai le sac, mais il faut que je le fasse. Des beignes, tu sais, des beignes de grand-mère, des bines, un bon bouillé de légumes puis un bon rose bif. Ça, mon envie, il va falloir que je sois capable de faire ça un jour. Genre, ce genre de recette. Fait que bref, j'ai mon sac de pois. Puis là, c'est le temps. C'est le temps de la soupe au pois. Parce que c'est le temps de la cabane à sucre. Puis il y a toujours de la maudite soupe au pois jaune dans la cabane à sucre. Puis tu sais, c'est juste que. Faudrait que je le fasse. Fait que bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai quand même avancé le tout. J'aurais dû vous montrer un avant-après. Mais tu sais, je regarde mon après, puis je suis comme, c'est pas tant satisfaisant. Mais, qu'est-ce que je veux dire, un garde-manger, c'est un garde-manger, là, je veux dire. Je suis minimaliste, moi, tout ça accroche dedans, je suis pas mieux que ça. Tu sais, c'est pas mieux, c'est un gaspillage. Hé, hey, je viens de recevoir un colis à Amazon, je vais vous montrer, c'est quoi. J'avais vu Claudie Mercier parler de ça. Dans le fond, c'est comme une espèce de truc que tu mets ton cellulaire, moi pour vlogger, ça va être parfait, là. Tu mets ton cellulaire dedans, puis il fait de la reconnaissance faciale. Fait que quand tu tasses, fup, il te suit, genre. C'est malade, je les prends en blanc. Là, je suis en train de le recharger. Checkez ça. Ça ressemble à ça ici. Fait que tu peux mettre ton cellulaire dans ce sens-là ou, bon, en tout cas, tu peux le tourner dans l'autre sens, là. Puis, dans le fond, cette patente-là, ici, tu peux l'activer, puis ça fait de la. Vous irez voir le Claudie Mercier. Je pense que c'est son dernier reel qu'elle a fait, là. Elle en parle là, sur Instagram, j'étais comme, mais voyons, ça va tellement être pratique pour genre le marsmas. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que tu peux enlever cette partie-là, ici, puis la mettre sur un vrai trépied. C'est malade, c'est tout petit, puis en blanc, c'est super beau, genre. Je suis vraiment satisfaite de cet achat. Si ça marche, là, je trouve ça vraiment cool parce que j'aurais pas. En fait, j'ai un gros trépied, mais j'ai pas d'autre trépied. En tout cas, bref, ça devrait vraiment bien faire, cette petite patente-là. Fait que tout ça pour dire que là, je vais partir de ce que j'ai dans mon garde-manger et mon frigidaire, je vais me faire une liste de choses que. D'épicerie. Mon Dieu, attendez. Ben non! C'est malade! Est-ce que j'ai du fun? Ben non! Crème, c'est donc et là, c'est le trépied! Je m'excuse, je vous donne mal au cœur. Je m'excuse. Ok, honnêtement, c'est quand même très cool. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal. Non. Tout ça m'est bien égal. Je me fous du passé avec des souvenirs. J'ai allumé le feu. Avec mes souvenirs, je ne regrette rien. Je suis en train de faire de l'analyse de données. C'est niaiseux, mais je veux juste comme préparer ma liste d'épicerie. Puis, dans le fond, j'essaie de regarder ma semaine. Là, ça fait genre 3 semaines que mes dîners, c'est genre, j'arrête d'acheter de quoi sur la route. C'est vraiment comme pas l'idéal. Un, ça coûte cher, puis deux, c'est cave. Puis, on dirait que je suis même pas capable de dire qu'est-ce que j'ai envie de manger pour dîner, tu comprends?
Fait que je pense que je vais me faire un bar à salade. Habituellement, ça pogne. Fait que tu sais, je me coupe un petit peu toutes les choses d'avance. Je me prépare une protéine ou deux. Puis je me fais des salades avec ça le matin même sur qu'est-ce que j'ai mangé. Puis ça, j'aime quand même ça. Fait que je pense que ça va être ça pour mes dîners. Mes soupers, là, je regarde ma semaine. Je vais vous montrer. Quand je parle de la semaine, c'est ma semaine d'entraînement. Fait que c'est ça là ici. Fait que là, c'est 4 gyms cette semaine. Fait que là, 14h, 18h, 20h, puis 20h. Fait que tu sais, quand c'est des 20h, je mange avant, je veux de quoi qui se fait. T'sais, habituellement, je pense que je vais y aller genre pour peut-être... Ah, je sais, mais j'ai de la misère à penser ce temps-ci. Quand j'ai les enfants, on dirait que c'est tellement plus simple au niveau de mes repas. Là, je sais pas si vous êtes séparés, si c'est ça pour vous aussi, tu sais. Quand c'est les enfants, je me pose même pas la question. On dirait que tout se fait tout seul. Tatac, ok, spaghette, tel jour, tatac. Mais quand c'est juste moi, on dirait que je me mets dans la tête qu'il faut que je mange quand même santé. Puis, faut que, tu sais, comme je me mets... On dirait que je mets de la pression au niveau de mon alimentation. Alors que moi, mon focus, c'est de manger, point. Tu sais, je veux avoir assez de fuel pour le nombre d'entraînements que je fais. Puis honnêtement, c'est ce qui est le plus important. Il faut que je ne mange, faut que je mange suffisamment. Mais avec les enfants, je mange suffisamment puis ça a des heures vraiment fixes. Fait que c'est super simple. Et quand je tombe toute seule, je sais pas si c'est le fait de cuisiner toute seule, je sais pas si c'est le fait de avoir juste ma personne à m'occuper, mais je trouve ça vraiment plus difficile. C'est poche, hein? Mais je pense que, tu sais, pour avoir des amis qui sont célibataires dans la vie, pas d'enfants, il m'avait dit que c'était pas évident de cuisiner pour soi-même, puis de se faire des bons repas aussi. Tu sais, comme moi, le soir, j'arrive de travailler, là, j'ai le goût de me faire deux toasts au beurre de pinot, là, tu sais, comment? Mais tu sais, si j'ai les enfants, ben là, je vais couper des petits cocombes, des fromages, des affaires de même, puis après ça, je vais faire, mettons, justement, un spaghette ou je vais faire du poulet avec du brocoli. Tu sais, comme, j'ai pas le choix, j'ai pas juste moi à m'occuper, tu sais. Fait que, tu sais, c'est con, on devrait faire ça pour soi-même. Mais à un moment donné, je suis comme, ok, j'ai pas tant d'énergie que ça. Fait que, tu sais, je suis comme, quand j'étais avec les enfants, on dirait que j'étais en mode survie tout le temps, là. En tout cas, je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais bref. Fait que, je vais finaliser mes trucs. Je vais fermer mon vlog ici pour aujourd'hui. Puis on se retrouve demain dans ma journée de congé. J'ai quand même une journée qui est bien rempli, puis je fais juste penser à mon rendez-vous avec ma conseillère, avec la conseillère financière. Je suis pas bien. Genre, j'angoisse. Oh mon Dieu Seigneur, va falloir que je me mette le nez dans mes finances. J'ai tellement pas le goût, là, si vous saviez à quel point j'ai pas le goût. Tu sais, je vous en ai parlé, là, à quel point que, genre... Oh mon Dieu Seigneur, je suis pas bien. J'espère que je peux pas décevoir. C'est super con, là. J'aime vraiment pas ça, tout ce qui est finances. J'aime vraiment pas ça. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous êtes pareil que moi. Fait on va vivre ça ensemble demain, OK? Hey, merci d'avoir écouté tout le monde, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!